Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être cette fois-ci assez courte, puisque je vais simplement vous montrer le résultat du travail que j'ai réalisé sur un véhicule hier, qui est ma C3 plurielle, qui est ma voiture quotidienne, qui est celle qui est le plus soumise finalement aux affres du temps, en été, en hiver, au printemps, à l'automne, enfin toutes les saisons de l'année. Donc là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas travaillé dessus. Donc il y avait en fait beaucoup de résidus de pollution, elle était contaminée bien sûr en surface. J'avais les jantes qui étaient très sales, il y avait des résidus de plaquettes de frein que j'avais du mal à enlever depuis longtemps. Je la lave quand même régulièrement au nettoyeur haute pression, en station de lavage, mais je ne l'avais pas lavé à la maison, à l'éponge, enfin à la microfibre depuis au moins 2 ans, je pense, parce que je n'avais pas eu le temps de m'en occuper. J'ai d'autres voitures à côté et je m'étais plus occupé finalement des autres que j'ai à côté. Alors, cette vidéo, en fait, elle va servir à vous montrer finalement l'efficacité de différents produits que j'ai utilisés. Ce sont les produits de la gamme Full Car X. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par Full Car X. J'achète mes produits, mais j'aime bien vanter l'efficacité de certains produits quand je sais qu'ils sont de bonne qualité, qu'ils sont efficaces et surtout qu'ils sont très abordables en termes de prix. Voilà, ça c'est une force. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui le travail. J'ai travaillé plusieurs heures hier sur ce véhicule, donc il y avait quand même beaucoup, beaucoup à faire. Déjà, lavage, d'accord. Tout d'abord, j'utilise de la mousse. Donc là, le foam en fait de Full Car X, c'est le Blueberry Foam qui fonctionne très bien et qui permet déjà de réaliser un pré-lavage. Ensuite, je réalise un lavage avec un shampoing Full Car X également. Là, c'est le Snow Foam que j'ai utilisé. Mais surtout, j'ai utilisé une serviette de décontamination de la carrosserie. C'est la première fois que j'utilisais ce type de produit. Je n'en connaissais même pas l'existence. Je connaissais la barre d'argile que l'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on veut faire une décontamination de véhicule. Mais il faut utiliser également ce que l'on appelle un lubrifiant pour éviter de générer trop de micro-rayures. Là, j'ai utilisé une serviette de décontamination. Je vais vous présenter le produit juste après. Et là, vous n'avez pas utilisé de lubrifiant. Par contre, moi, je vous conseille quand même d'avoir au moins quelques résidus, en tout cas, de shampoing sur la carrosserie avant d'utiliser cette serviette de décontamination. Et puis, surtout, les nettoyants jantes. Vous allez voir, j'ai vraiment des jantes qui sont revenues quasiment à un état proche du neuf, alors qu'elles ont 21 ans. Ma C3 plurielle est de 2003, donc elle a 21 ans. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat de ces produits. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, voici la gamme de produits que j'ai utilisée pour faire ce nettoyage approfondi de la C3 plurielle. Alors, bien sûr, le Iron Cleaner, ça c'est un décontaminant ferreux. Il est vraiment excellent. Vous pouvez utiliser à la rigueur que celui-ci pour nettoyer les jantes. Il est vraiment d'une efficacité redoutable. Il enlèvera toutes les traces noires que vous pouvez avoir sur des jantes qui sont issues de la poussière de frein. Et bien, ce produit-là, en 1 minute, il vous enlève toutes les traces que vous pouvez avoir en termes de contamination. J'avais jamais eu des jantes aussi propres. Je l'avais déjà utilisé, mais sur des jantes qui étaient moins contaminées que celle-ci, il est vraiment d'une efficacité redoutable. Le Wheel Cleaner, il est très bien aussi. Je l'utilise en complément de l'Iron Cleaner, donc je vaporise d'abord l'Iron Cleaner. Comme c'est indiqué ici sur l'image, vous verrez effectivement des coulures. Donc en fait, le produit, en agissant, il va décoller, il va. En fait, il y a une réaction chimique qui se fait avec les composés qui sont ferreux. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez des coulures, effectivement, qui seront de couleur violette. Et vous pourrez voir donc les traces de contamination. Ensuite, le nettoyant jante, ça, il est très bien en complément. Ensuite, j'utilise une brosse à jante qui permet justement de pouvoir, avec de l'eau tiède ou de l'eau froide, là j'ai utilisé de l'eau froide, et ça vous permet donc ainsi de pouvoir passer entre les rayons, ici des jantes. Comme vous pouvez le voir, mes jantes, elles sont impeccables. J'ai jamais eu des jantes aussi propres. Donc notamment au niveau du passage entre chaque rayon, c'était vraiment très 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 contaminé. Et là, j'ai des jantes qui sont
Bon, elles ont des petits coups de trottoir, bien évidemment. C'est pas moi qui les fais, hein. Qui les ai fait plutôt. Mais elles ont quelques petits coups, mais globalement, elles sont encore quand même en très bel état. Voilà, donc des jambes parfaitement propres avec ces produits-là. Ça fonctionne vraiment très bien et puis surtout sans effort. Je laisse agir à peu près une minute et ensuite je passe la brosse avec de l'eau pour avoir un résultat absolument impeccable. Vraiment sans effort. Ça, c'est vraiment à noter parce que c'est un produit qui permet d'économiser du temps. Le Blueberry Foam, ça, c'est une mousse, donc c'est une foam qui permet avec un canon à mousse de pouvoir pulvériser une mousse très épaisse et qui permet ainsi de pré-laver le véhicule. Ça permet de faire glisser les contaminants avant le lavage. Ensuite, j'ai utilisé le shampoing actif qui peut être utilisé en foam également. Il fonctionne très bien. Il fait une mousse très épaisse. Ensuite, j'ai passé la serviette de décontamination. Alors, la serviette de décontamination, c'est ça. Une serviette ou lingette de décontamination, comme vous voulez. En fait, ça correspond à une microfibre. Donc, un côté microfibre et de l'autre côté, alors je ne connaissais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce produit. C'est recouvert en fait sur la face qui va être donc appliquée sur la carrosserie. C'est recouvert d'une espèce de résine. Ça ressemble un petit peu à du goudron. C'est une sorte de résine ou d'argile, je ne sais pas exactement quelle est la matière. Donc il est recommandé de la laisser tremper pendant au minimum 20 à 30 minutes avant utilisation. Donc il faut qu'elle soit bien hydratée. Et là, à ce moment-là, vous pouvez la passer sur votre véhicule. Là, je ne le fais pas parce que la voiture est propre. Vous pouvez la passer sur votre véhicule de façon à enlever tous les résidus qui sont collés en superficie du vernis. Pour pouvoir décontaminer le véhicule. Donc c'est vraiment une serviette de décontamination. Je peux vous garantir que je l'ai utilisé hier, ça fonctionne très très bien. Une fois que vous l'avez passé, sans forcer, vous avez une carrosserie ensuite qui est vraiment toute lisse. Donc ça fonctionne bien et c'est surtout, et c'est pour ça que j'appuie là-dessus et que je voulais vous présenter ce produit, si vous avez l'habitude d'utiliser une clé avec un lubrifiant, donc une barre d'argile avec le lubrifiant correspondant, cette lingette, elle vous permet d'économiser du temps et de l'argent aussi parce que elle est réutilisable, mais surtout c'est un gain de temps. J'ai dû passer toute la voiture avec ça, 5 minutes à peu près. Et ça permet d'enlever bien sûr tous les contaminants en superficie. Ensuite, j'ai passé la polisseuse classique de façon à ramener voilà la carrosserie à un brillant qui est quand même plutôt très joli. En plus, j'adore cet orange, il y a des paillettes dorées dedans, il est vraiment très très beau. Et j'ai terminé, une fois que ma voiture était complètement polie, j'ai terminé avec la Crystal Wax. Donc ça, c'est vraiment très très bien, très bon produit aussi. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la vidéo que j'avais faite sur ce produit sur la 308. Donc cette Crystal Wax, ça c'est un des meilleurs produits, je trouve, de Fulcarix. C'est une cire qui est à la fois céramique et cire hydrophobe. Elle permet ainsi de protéger la carrosserie et d'avoir un effet hydrophobe qui permet de repousser les contaminants et l'eau. Et ça permet ainsi de garder la carrosserie propre plus longtemps et de faciliter bien sûr les nettoyages ultérieurs. Donc allez voir, je vous mettrai la vidéo en lien, allez voir la vidéo également sur ce produit. Bon voilà, je voulais vous montrer globalement les produits que j'avais utilisés pour faire de cette C3 pluriel une voiture qui, malgré ses 21 ans, est quand même en très 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 bel état. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce véhicule. Et puis surtout, ce sont des produits qui sont dans la gamme de produits automobiles pour l'entretien et le detailing qui sont pas chers, on peut le dire, mais qui sont d'excellente qualité. Donc si vous cherchez des produits abordables et d'excellente qualité, je vous conseille encore une fois ces produits de la marque espagnole Fulcarix.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo assez courte. Je ne vous ai pas montré l'utilisation des produits. Je vous montre simplement le résultat final. Ça permet de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et puis, ce ne sont pas des produits qui sont extrêmement techniques. Leur utilisation est comme l'utilisation de n'importe quel produit destiné à entretenir une carrosserie, que ce soit une cire, que ce soit des produits à vaporiser pour nettoyer les jantes. Je voulais vous montrer voilà l'efficacité de ces produits. Je suis parti d'une voiture qui était vraiment très sale, contaminée, des jantes qui étaient très très sales aussi, parce que ça faisait très longtemps que je m'en étais pas occupé. Et vous avez vu le résultat, je suis voilà, j'ai une carrosserie qui est belle, vraiment très belle en aspect. Et puis j'ai des jantes qui sont parfaitement propres, et je vous mens pas, vraiment, une fois que j'ai vaporisé le produit, que ce soit l'Iron Cleaner ou le Wheel Cleaner, il suffit simplement de passer la brosse sur votre jante et puis entre les rayons de la jante pour avoir un résultat vraiment impeccable. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr, sur ceux qui connaissent ces produits et qui les ont utilisés pour donner votre avis pour la communauté. C'est toujours très intéressant. Si la vidéo vous a plu, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, c'est important pour le référencement de la chaîne. Je vous mettrai tous les liens également d'affiliation qui sont des liens en fait, qui vous permettent de commander les produits si vous avez envie de tester et d'essayer ces produits. Moi, ça me permet de récupérer quelques centimes d'euros à chaque commande. Mais encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. C'est simplement des liens d'affiliation. J'achète mes produits comme n'importe qui. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.